Alors, vous vivez toujours chez vos parents? Oh là là, le dossier. Oui, c'est vrai. J'avoue. À Aubagne? À Aubagne. À Paris, vous n'avez toujours pas acheté l'appartement? Non. Non. T'as foutu en l'air mon fauteuil? Regarde, il fait n'importe quoi. Casse les fauteuils, c'est la première fois. T'as tellement envoyé des fréquences que regarde le fauteuil comment il est maintenant. Eh ben merci. Ah, j'ai hâte de savoir ton nom parce qu'on va s'en rappeler longtemps. Et alors, t'as du mal, hein? Bah oui, c'est le plus vieux. Le problème, c'est que votre Jules est à Montpellier. Si j'en ai encore un, c'est le cas. Bah si. Ah ben bah, quitte à avoir du dossier. Hein, non mais si vous êtes à Paris et lui à Montpellier, c'est sûr que ça n'a pas duré longtemps, faut être clair. Bah, on verra. Ah, mais ça marche toujours. Oui. Ça passe. Oh là là. Zazie, un petit message tout spécialement pour toi. Prends bien soin des fauves. Florent Pagny et Mika. Le martinet est dans le tiroir de ma loge. Et elle a tenu parole puisque le voici, le fameux martinet. Alors maintenant. Voilà, hein, c'est qui la patronne? Toi tu vas là, là, là. Parce que il n'a pas le petit clap en fait. Tu maîtrises ou hein? On est complètement fou. Que lui reprenne vos chansons, ça vous fait plaisir Arnaud? Ouais, ouais. Et vous le côtoyez de temps en temps, vous buvez des coups ensemble, il paraît? Oui, on mange ensemble et on boit de temps en temps des trucs. Et... Cette chanson, putain, putain, c'est un bon choix de sa part? Bah, j'ai écrit cette chanson, oh, c'était avant Coca Light, avant Coca Zero. C'est pas mal, il y en a qui disent avant ou après Jésus-Christ, vous, c'est après ou avant Coca Light? Ouais, c'est... je pense comme ça. Après son échange musclé avec le Premier ministre sur un plateau de télévision au sujet de la politique du gouvernement en matière de terrorisme, Jérémy Ferrari est l'homme dont tout le monde parle. C'est pas préparé. Si ça avait été préparé, j'aurais fait beaucoup plus calmement. J'aurais placé 2-3 vannes dedans. Je suis pas un humoriste là quand je lui parle. Je suis juste un gars du peuple, un gars normal qui est là à côté, qui a un peu étudié le sujet parce qu'il parle du terrorisme. Il se trouve que j'en parle dans mon spectacle. Vous dites, quand je fais des concerts, le rapport entre le public et moi... C'est un rapport d'amour. On fait l'amour ensemble, vous dites, je jouis pendant 2 heures. Ouais. C'est long. Oui, mais c'est pour ça que je suis encore en vie. Et oui. Grâce à la chanson et à la chanson. Ouais. Après un spectacle consacré aux religions, Jérémy Ferrari revient aujourd'hui avec un one-man show encore plus osé. Cette fois, il s'attaque à la guerre. Un spectacle pour lequel il s'est documenté pendant 2 ans et a fait appel à un professeur de géopolitique. Tout est tiré dans son spectacle de faits réels et vérifiés. Il est curieux et il va jusqu'au fond des choses. C'est-à-dire que moi, il m'a vraiment poussé dans des retranchements. On est seulement cocu quand on est amoureux. Pourquoi? Ah bah oui, autrement, on n'est pas cocu. Quand on n'est pas amoureux et ton mec... va avec une autre femme et tu n'es pas amoureux de ton mec, tu dis fuck off the motherfucker.